ce chef-d'œuvre de Dieu sorti tout droit du garage de Dieu, ces véhicules sophistiqués appelés l'être humain viennent de sortir à peine avec tout ce que l'enfant appelle le mamlaka, tout le pouvoir que Dieu lui a donné de gérer le monde, de la sujettir, de donner les noms aux êtres, aux créatures. Quelque temps après, il fait face à un esprit. La première expérience, il voit une bête qui lui-même a donné le nom serpent. Il commence à lui parler avec une voix humaine. L'homme s'approche par curiosité pour engager un entretien. La toute première fois, avant même que l'âne de Balaam parle, l'être humain, pour la première fois, il entend une voix humaine dans un serpent. Or, cet être, le serpent, était déjà une incarnation avec une puissance de persuasion, parce qu'il avait un objectif. Saper le programme de Dieu avec l'homme. Il a parlé. Il se sert toujours de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dans la nouvelle alliance, il dit encore au Seigneur, car il est écrit. Il se sert toujours de la parole. Je peux même dire, les esprits mauvais connaissent tellement mieux Dieu que la plupart de certains chrétiens, certains prédicateurs. Parce que hier, je t'ai montré l'histoire du fou qui est sorti du cimetière. Il a identifié Christ. Tu es fils du Dieu très haut. C'est la première fois qu'il identifie avec précision. Alors que tout le monde qui était là ne connaissait même pas la personne qui était avec eux. Dans la synagogue aussi pareil. La femme, 18 ans courbée. À peine que Jésus entre, le démon l'identifie. Alors que le pasteur était là, sans révélation, avec les gens pleins des hôtels et dans l'église. Chaque Shabbat, il ouvre un texte, il lise et les gens rentrent à la maison. Alors qu'il avait des membres de l'église liés de 15 ans, de 20 ans, de 18 ans. La pauvre dame, 18 ans de courbée. Le pasteur entrait. Le diable le connaissait. Il dit, ça c'est mon client. Tant qu'il va continuer à faire son travail comme ça, moi, j'aurai la même mise sur son église. Jusqu'au jour où le fils de l'homme entre, le démon dit, tiens, les choses changent. Mais toi, je te connais. Jésus-Christ, fils de Dieu très haut, tu es venu nous tourmenter avant le moment. Quelle était l'attitude du pasteur ce jour-là? Il pouvait commencer à se chamailler avec la dame. Madame, calme-toi. Alors, ce n'est même pas la pauvre dame. C'est les esprits qui lui donnent la révélation. Au pauvre pasteur, les démons lui révèlent que le monsieur ici, le jeune homme que tu vois là, il n'est pas comme tout le monde ici. Il n'est même pas comme toi. Lui, c'est Dieu manifesté en chair. Il était écrit que le moment viendrait où il va nous soumettre. Mais là, il nous a pris de court. Il est venu avant le moment. Et le pasteur chaos. C'est un piège à un prédicateur qui prêche Christ par conviction personnelle
de croire qu'il maîtrise tous les aspects de la spiritualité. C'est de l'orgueil venant tout droit de l'enfer qui va te tuer. Pour la première fois, il entendit de la bouche d'une femme possédée qui révèle Christ. Et Christ s'approche près de la femme. Il regarde dans la salle. Il pose la question. Est-il permis de faire quelque chose le jour de Shabbat? Écoutez les légalistes. Non. Shabbat, drapeau en berne, personne ne fait quoi que ce soit. Et la pauvre femme. Jésus a dit, hypocrite. Regarde, pasteur hypocrite. Qui parmi vous, si une brebis se perd, même si c'était le Shabbat, il ira la chercher? Alors vous voulez que, parce que c'est le Shabbat, qu'on laisse cette fille d'Abraham, fille de la promesse, à qui appartient la lignée, comme toi, comme moi, 18 ans, 15 ans, 20 ans de pauvreté, de liens, d'envoûtement, d'ensorcellement. Ton passé, ne voyait pas ça? La Bible dit, il le toucha. Les démons avaient la malchance de sentir une touche physique d'un homme spirituel. Il touche le corps, il communique quelque chose. Un pouvoir divin. Papa, les démons sont sortis. Et la femme s'est redressée. C'est pour cela qu'il est important que la vraie vie commence par le Saint-Esprit. Tu dois d'abord te rassurer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Puisque la vie est essentiellement spirituelle, ta vie chrétienne doit avoir l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et là, le Dieu des cieux te reconnaît comme son fils. Ce n'est pas l'ancienneté dans une église. Malgré l'ancienneté, le jour où le Saint-Esprit vient, tu es identifié comme notre frère. Premier acte spirituel de la confrontation, le serpent avec la femme. Ils s'échangent. Déjà, à partir du moment où la pauvre femme, ne savait pas, à partir du moment où tu engages un dialogue avec un esprit, automatiquement, je dirais, l'espèce de bacille de coq te rentre dans le corps. Ça rentre en toi. Parce que tu as prêté oreille seulement. Et cette puissance du diable terrible a fait frémir la femme. Alors tout ce temps, elle était dans le jardin et voyait les fruits de l'arbre. Elle savait que c'était interdit. Mais à partir du temps, il a écouté le diable. Elle a déjà brisé les interdits avant de poser l'acte. Et la Bible dit, et regardez les fruits. Elle a vu que le fruit était beau. Est-ce que depuis tout ce temps-là, elle n'avait pas vu ce fruit-là? La foi vient de ce qu'on entend. Dès qu'elle voit le fruit, avec le saisonnement des paroles du serpent, le fruit commence à changer en beauté, en design, en splendeur. Waouh! Non? Je crois que frère serpent a raison.
je dois essayer. Elle a succombé. Pour un mur se dresser et qui avait l'habitude de voir Dieu. Parce que même si Adam était loin, il ne voyait pas Dieu tout le temps. À partir du moment où il était dans la chair, il y avait un temps marqué où Dieu venait parler à l'homme. Adam connaissait ce temps-là. C'était le soir. Le soir est éminemment un temps prophétique. C'est comme ça, quand il venait, il n'appelait pas. Parce qu'il se révélait. Et l'homme le reconnaissait. Et Dieu ne se révélait pas à Adam sous la même forme. Parce qu'il est Elohim. Il avait plusieurs formes selon le temps, selon l'évolution fixée par lui-même. Mais ce jour-là, il appela Adam. Adam, où es-tu? Il ne faisait jamais cela avant. Et les choses commencent là. D'ailleurs, le texte de Genèse là, quand tu lis comme ça, on te dit juste, le serpent était le plus rusé de tous les êtres. Et tu t'arrêtes là dans l'histoire. Mais il y a un phénomène surnaturel incroyable, de très haut niveau, qui vient de se passer. Satan en personne s'est incarné dans une bête pour attaquer l'homme. Comme il sait se déguiser même en ange de lumière. Il a mis la femme en confiance pour que la femme n'ait pas peur. Le diable n'est pas apparu avec les cornes et les queues et tout. Non. Il parlait en gentleman pour rassurer la femme, pour nous apprendre une grande leçon. Tu dois faire attention à la personne que tu approches dans la vie. Parce que celui qui t'attaque ne portera pas toujours les masques avec des signes que tu connais. Le diable, Satan, Lucifer, d'Ézéchiel 28, voulait s'approcher de la femme. Et si je partais comme ça, en tant qu'esprit, elle va me sentir. Elle va vite appeler Adam. Je dois me dépouiller. Je dois chercher quelque chose. Parfois qu'il baisse. Comme les gens aiment les serpents. Ils aiment les chiens. Ils aiment les chats. Il dit, je dois m'incarner. Quelque chose d'immense. Regardez la puissance de Lucifer. Un événement d'une dimension spirituelle incroyable auquel l'être humain fait face pour la première fois. Quand il a réussi sa mission, il a su introduire sa lignée sur la terre. La race de Caïn et la race d'Abel. La race de Caïn jusqu'à l'Antéchrist. En passant par les faux prophètes Jézabel et toute sa généalogie jusqu'au temps de la fin. Et la race d'Abel commence par Abel 7 jusqu'à Jésus. En passant par tous les prophètes et les saints que tu es, que nous sommes. Il a su faire introduire sa sémence sur la terre. En s'incarnant. Donc chaque chrétien, chaque être habitant dans un corps, tu dois être conscient que derrière la matière que tu es, derrière l'être humain que tu es,
Il y a une réalité immatérielle, invisible, qui est plus réelle que ton corps physique.